Salut tout, on se retrouve pour une nouvelle bataille. On est sur Enlisted. On défend la maison du village, les ennemis arrivent par là, donc je vais choper lui et aller cacher un point de ralliement. On est sur une île, c'est pas idéal. Peut-être derrière le char et l'arbre. Ouais, on est pas mal comme ça. Alors, ouais, bon, maintenant qu'il est commencé à être placé, ça va rester la même chose. Restez là-bas, je vous prie. Toc. Ah, j'ai déjà perdu un peu de monde. Ça va piquer si jamais il y a des rushers qui arrivent à rentrer. Pas vraiment le truc qu'il faut. Boum. Il y a encore du monde, je pense qu'il est dans la maisonnette. Attaque! Ah! Voilà, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure. J'ai des fusillés niveau 3 qui ont l'avantage un peu OP d'avoir plus 15% de vitesse de soin. Ce qui fait que en leur ajoutant 75% de vitesse de soin, ils vont à une vitesse incroyable pour se soigner. Et c'est plutôt sympa. Alors, je peux pas trop m'accrocher. Bon. C'est fait pour s'accrocher ce genre de choses. J'arrive pas, tant pis. Alors j'ai vu un type là-dedans. On va repasser avec eux. Aïe aïe aïe. Alors lui par contre il se soigne pas rapidement. J'ai perdu mon constructeur. Papa. Oui, j'ai compris. Vous voulez me tuer? Ah, bonjour toi. Et de deux. Pas grand monde. Un char là-haut. J'ai pas les bonhommes qu'il faut pour construire un canon à char. Ah mince. Ah, mon point de ralliement doit vraiment beaucoup aider. On va faire un canon à char. Que je vais aller placer probablement par là, on va voir. Là, il y a une espèce de petite butte qui va nous protéger des tirs. Ah, en plus, on est dans le coin. Nickel. Nickel. Oh, j'ai vu des gens spawn, je pense que c'est des ennemis. On va voir si le reste de mon escouade est vivante. Hop, on change de munitions. Je veux le char maintenant. Ah,
salle des... Bon là je pense que c'est fichu pour mon canon. Ah saleté. J'ai l'impression que c'est mon canon qui fume ici. J'aurais pas eu le temps de l'utiliser. Non, c'est pas mon canon. Et mon canon est en fait en bon état. Je touche pas plus. Si à chaque fois je touche, c'est bon. Bonjour toi. Il y a beaucoup de fumée, je vois plus grand chose maintenant. Il y a un truc là, mais je sais pas quoi. Oh, c'est un type qui mitraille. Bonjour toi. Alors la fumée, on voit quand même un peu le paysage. Ouais, je pense que je touche pas. Je vais taper contre le mur, mais pas faire mieux. Alors... Ah, je revois du monde, on repasse en 1. Mince, je me suis mal placé. Passer un char. Et je ne le vois plus. Si je le revois. Anti-char, je suis. Ah crotte, c'était prévisible. On n'est pas discret avec ces trucs là. Hop, c'est fini pour l'arme. On tire bien, n'empêche. Et j'ai fait 33 kills. Mince. Pas dû me tuer. Je touche le bois. Et ça ralentit la force de mon coup. Oh. Mince, mon point de ralliement a été détruit. Ça, ça sent mauvais. Alors, on va sortir avec nos rushers quand je pourrai.
remettre tout le monde dans le point. Hop, c'est pas le bon. Les mortiers, je suis super nul avec, mais de temps en temps je me fais massacrer avec des adversaires qui jouent bien. Et c'est frustrant. Pareil avec les avions. C'est relativement fréquent qu'un type qui a passé la moitié de sa partie en avion soit premier dans mon équipe ou dans l'équipe adverse. Et moi, quand je joue en avion, je peine de fou à faire quoi que ce soit. Mais bon. Je croyais qu'on était bon. Il est mort, ouais, on va dire que oui. Du monde, hop, même avec le sniper, j'avais une difficulté à voir si je le touchais ou pas. Il revenait au même endroit. Bon, bah, hop, c'est bon, j'ai touché la mitrailleuse. Ah. Mon canon a pas bien fini. C'est pas vrai. Oui, touche. Cric, crac, crac, cric. Meilleur attaque que jamais. Se cacher. Avec cette escouade de fusillés, je vais encore pouvoir avoir soit un mitrailleur, soit un... Enfin, les deux ont une mitrailleuse. Pour moi, il y en a un qui a un fusil mitrailleuse, pratique à bouger ou pas. Fusil mitrailleur plutôt. Et l'autre qui a une mitrailleuse lourde, pratique pour défendre parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. Enfin, pour l'instant, les mitrailleuses lourdes que j'ai, elles ont 20 balles. Je trouve ça trop peu, même si tu joues bien et tout, et que tu mets 3 balles par ennemi. C'est difficile de décimer une escouade entière. Même si ça touche shot, c'est un peu compliqué. J'ai en plus de monde. Ah, j'aurais peut-être pas dû rusher avec celui-là. C'est pas vrai, comment ça se fait qu'il ait loupé mon... D'habitude ils sont trop forts pour taper avec ça. C'est normal, c'était un mort. Comment j'ai encore raté mon coup? Oh. Allez, j'ai bien compris. Oh, je pensais que j'aurais tué comme ça, mais bon. A été détruit, j'ai plus de constructeurs. Bonjour toi. Ah oui, c'est terriblement loin. Voilà pourquoi on était bien content d'avoir un point de ralliement. Si jamais on perdait le point dans les 50 tickets qu'ils vont perdre, je serais pas très surpris. Les points de ralliement proches ou loin, ça fait une différence parfois vraiment énorme.
Alors, est-ce que je peux placer un canon discretos? Pas l'impression. C'est fait exploser. C'est pas fait exploser. Alors, oh mince, la barrière a cédé. Déjà, on pourrait gagner un peu de... Ouais, c'est tellement loin qu'on va pas prendre la peine. C'est bon là? Qu'est-ce qui bloque? Oh, je peux pas le mettre en bas. Un point de ralliement. Je mettrais bien ici. Il nous fait une protection. Hop, et on a un petit passage juste là. On voit du monde là. Ah, il y a lui par exemple. Ah, ils prennent. Ah, pas loin. Ils prennent pas, mais bon. Alors. Une petite cachette ici. Mon escouade a été décimée. Fait assez bas à mon goût. Voilà, là on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Mince. Ces fusils, c'est ceux qui font le plus de dégâts chez les Allemands. Je trouve que par rapport aux chars, ils ont un défaut important. C'est qu'ils ont un viseur, même si les viseurs ressemblent beaucoup beaucoup, qui est un peu moins net. L'autre, il a un petit rond. Ça cache un petit peu du décor, mais c'est beaucoup plus net. Et je trouve ça plus pratique pour attaquer des gens. Donc j'ai acheté plein de VZ24 comme c'était la meilleure arme. Et puis je les ai améliorées. Et maintenant je regrette un peu. Et je me dis que des cars ça pourrait être une meilleure option. Après c'est quand même quand je tire de loin... L'escouade n'est pas prête pour la bataille. Ah oui. Ah, bah voilà. Ok, alors vous restez là. C'est en hauteur. On se met dans le bâtiment. Hop. Ah, je sais bien qu'il a été détruit, c'est moi qui suis en train d'en construire un autre. Merci le jeu pour ce rappel. Je vais baisser un poil le son. J'ai l'impression que pour vous c'est aussi fort que ma voix. Ce qui m'arrange pas, c'est-à-dire que vous devez pas beaucoup comprendre si je... Si je parle. Alors... Qu'est-ce qu'on voit ? Il a l'air d'y avoir personne dessus. Mince, c'est leur spawn. C'est tellement loin que je peux plus ping en tant que char. Et bah. Du monde par là. Alors on va prendre ce bonhomme qui a les mêmes munitions. Et qui actuellement devrait même nous faire un truc comme ça. Les captures, on est à deux pas.
cible, hein. Ok. Saleté. Rusher, s'il vous plaît. Encore un. Voilà, jouer par dehors. Bon là, c'est bon. J'ai perdu mon sniper. Du coup. Oh non, le PS42, il a tiré plus vite que moi. Je pense que j'ai tiré directement dans son ventre, ou alors il m'a tiré à la tête, c'est possible aussi. Alors. C'est terrible ça. Oh. Ramasser. C'est ça mon arme de sniper. Il en reste un, ouais. Je me suis fait exploser. C'est pas un très bon. En vrai, je vais y respawner quand même, c'est le seul disponible pour l'instant. Peut-être que si je recule un peu. Je sais pas comment il a survécu d'ailleurs. Ouais, là il y a un recoin où on est moins en danger. Ça, c'est un camion de spawn. Quoi? Ah, je pensais que je l'avais eu lui. Ah, elle est dingue. Cric. On dirait un camion de spawn quand même. Alors on va prendre le rusher. C'est mon dernier de toute façon. Nickel, ouais, c'est donc c'était bien un camion de. De spawn. Ah mince. Alors. J'ai plus rien pour l'affronter du coup. Ah mais je peux le ping. De 3, donc j'ai dû en laisser un vivant. Ah. Bon, on les aura quand même explosé, hein. 5000 de score, sachant que j'ai plus 20, plus 50%. Vu que je suis premier de l'équipe et que j'ai dû faire, que j'ai fait beaucoup de points, j'aurais probablement un fois 1,5 ou à la limite un fois 1,4. Mais ça va être bien. Alors. Oh là là. Ok, alors on passe aux choses sérieuses. Toi t'es mort. Toi t'es mort aussi. Cette distance là c'est délirant. De faire des kills à la mitrailleuse de rush. Alors hop, choc. Toi t'es mort. Et à l'inverse, à cette distance là, délirant de faire des kills au sniper.
Mais bon, il reste 19 secondes. Ah, plus de munitions. Non! Je me fais tuer. 88 kills, bon, j'aurais pas atteint les 100 kills. Il y a un succès qui demande de faire X bataille à 100 kills, donc quand je peux, j'essaye. Là, ils ont pas assez avancé, honnêtement. Personne a fait 100 kills, je pense. Pour faire 100 kills, il faut que la bataille soit un petit peu serrée, que les alliés soient un petit peu suffisamment nuls. Et que la bataille dure assez longtemps pour que l'équipe attaquante regagne des tickets de spawn. Alors, on a fait 20 000, c'est pas mal, c'est pas mal. 6 000 plus 3 000 des 50%, fois 1,5, fois 1,5. Je fais difficilement mieux. Hein. Et je suis le seul à avoir eu fois 1,5. Lui, il a eu dévoreur d'acier. J'imagine qu'il a tué plein de chars ou trucs comme ça. Première place dans l'équipe, le meilleur constructeur, le tacticien. Blablabli, blablabla, 88 kills, un soldat utilisant un véhicule, 2 tanks, 9 éliminations au sniper, à longue distance, je dis pas si c'est forcément au sniper, 9 tirs à la tête, ah je pensais que je faisais plus, bon 10%, faut dire quand il montre autre chose que la tête, comme j'ai des fusils qui one shot, j'ai pas trop tendance à viser la tête, 15 multi-éliminations, ok, 51 utilisations d'un point de ralliement par les escouades alliées, ça c'est énorme. Faut dire l'équipe a respawn sur mon point pendant toute la première moitié, puis un peu après aussi. 15 avec la mitrailleuse. Ah, j'ai fait des multi-kills au canon. Et la moitié des éliminations au fusil. On dirait pas comme ça, mais l'arme de base, le fusil qui est one shot, est quand même vachement fort. Toutes mes escouades ont monté de niveau. Très bien, très bien. Qu'est-ce que ça donne? J'ai un point. Alors, un point. Yep, yep, yep. Ici, je vais l'utiliser. Donc, j'ai monté tout ça. On va passer au Gewehr 41. Et ici, il me reste des scores. J'ai pas envie de choisir pour l'instant, donc je vais partir sur un bonhomme de plus. Et il me restera celui-là. Ok, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt dans une suivante.